Eh bien voilà, nous sommes aujourd'hui le vendredi 21 juin 2019 et c'est l'été. Enfin paraît-il, parce que là, ce matin, il faisait plus beau que ça. Là, on a quand même quelques nuages, un peu sombres, comme s'il allait faire un petit peu d'orage peut-être. Enfin voilà, nous sommes à Lynchamp et plus précisément au ruisseau qui s'appelle l'Ours. Hein. Donc il y a une belle promenade à faire, je crois aller-retour, ça doit faire une dizaine de kilomètres. Enfin voilà, on verra bien, mes petits camarades, à bientôt. Ah, le bruit de l'eau, hein, c'est apaisant. Quelle tranquillité aussi ici. Hein. Quoi de mieux d'ailleurs pour se ressourcer que d'écouter le bruit de l'eau qui coule. L'eau ne s'arrête jamais. Elle contourne les obstacles mais elle ne s'arrête jamais. Regardez comme c'est beau. C'est magnifique, hein. La forêt ardennaise. Ça, c'est une vraie forêt, hein. Bon bah, les nuages semblent partir petit à petit, le soleil revient, le ciel devient tout d'un coup plus bleu. Alors là, oui, on peut dire que c'est l'été. Voilà encore une belle retenue d'eau là en contrebas. Magnifique. Voilà, toujours cette même petite cascade, mais d'un autre point de vue. Ce joli ruisseau qui serpente à travers bois, qui semble venir quand même d'assez haut. Alors souvent dans les bois, quand on voit une croix, c'est qu'il y a eu des gens qui sont tombés là, et c'est principalement des résistants. Donc il y avait une mission ici dans les Ardennes qu'on appelait la mission Citronnelle, qui faisait partie du maquis Prisme. Donc voilà, les gens ont payé de leur vie le fait de résister à l'ennemi allemand. C'est bien triste parce que bien souvent c'était de jeunes gens. Voilà, 13 juin 1944, 28 juillet 1944, deuxième calvaire des martyrs de la mission Citronnelle, maquis Prisme. Voilà les bois dans lesquels ces jeunes maquisards se cachaient pour attendre l'ennemi, alors qu'ils ne passaient pas loin, parce qu'ils devaient descendre du malgré tout vers Lynchamp en empruntant cette route, et les jeunes résistants attendaient des embuscades.
c'était l'endroit rêvé, et puis ça permettait de s'enfuir assez vite après. Voilà l'endroit en contrebas, je vais vous le montrer après. Là, il y avait un trou. Ici, on reposait 37 enfants du pays d'Ardennes massacrés par les Allemands le 13 juin 1944. Ils se vengeaient après le débarquement. Voilà. C'est l'endroit où ont certainement reposé ces 17 petites victimes. Alors, bah, visiblement, il y a des trous un peu partout là. Ils ont creusé des fosses pour cacher leurs méfaits. Voilà, nous sommes un peu plus haut sur le chemin du ravin de l'ours. Et puis je tombe sur une petite passerelle, visiblement qui a été renforcée. Donc je vais traverser et je vais bien voir où ça va me mener. Mais encore un calvaire. Là je suis en train de remonter la route qui va de Linchamp au Buté par le ravin de l'ours. Et c'est le deuxième calvaire que je vois sur mon parcours. Voilà ce qu'il est dit. Le ravin de l'ours. Le 13 juin 1944, 106 jeunes maquisards furent torturés et massacrés par les armées nazies et enterrés en forêt des Manises entre Revin et les Hauts-Butés. Dès le 21 juin, par crainte de représailles des familles, la plupart d'entre eux furent exhumés par l'occupant et transféré en grand secret dans cet endroit isolé et dans un second charnier situé 1,5 km en aval de ce ruisseau de l'ours en territoire de Tillet. Donc c'est celui que je viens de voir un peu plus bas. Depuis octobre 1944, ces braves patriotes reposent au cimetière de Revin. Passant, recueillez-vous un instant en ces lieux pour honorer la mémoire de ceux à qui nous devons notre liberté. Voilà, la ville de Revin, la municipalité de Tillet, le souvenir français, l'association des forestiers. Reposez en paix les gars. Vous entendez le chant de l'oiseau? Et on continue. Regardez comme c'est joli là, avec la mousse au bord. Ça grimpe, hein, un petit col. On grimpe vers les Hauts-Butés. Regardez si elles sont pas belles, ces jolies fraises des bois. Eh bien, je me suis bien régalé avec les fraises des bois, ça a du goût. Hein. Alors, je vais vous montrer un petit truc, parce que dans la nature, on trouve vraiment de tout. Hein. On peut survivre, hein. On peut manger à peu près à toutes les saisons d'ailleurs. Mais on peut aussi s'y soigner. On trouve tout et son contraire d'ailleurs dans la nature, puisque on trouve le poison et le contrepoison. Et bien souvent, le contrepoison est juste à côté du poison. Enfin, poison, entre parenthèses. Hein. J'en veux pour preuve que quand on est piqué par des orties, et juste à côté des orties, il se trouve bien souvent ce qu'on appelle la feuille de plantain. Alors elle est facile à reconnaître, parce que vous voyez, elle a 5 veines. 5 hein, petites veines. Alors il suffit de malaxer cette feuille entre vos doigts, et puis de vous enduire avec le sucre de la feuille, soit la piqûre de guêpe, de moustique ou d'ortie. Et puis ça se calme directement. Voilà, le plantain. Et là, vous avez une belle salade de pissenlit. Hein. Formidable, hein. Oui, il y a de quoi faire. Une salade pour une personne. Hein. Et bien ça,
Ça nettoie le foie, ça nettoie le sang, c'est formidable. Ben, un bel endroit là que j'ai découvert pour un feu de camp, pour camper donc, pour pique-niquer, pour venir avec ma petite tente de camping un soir autour d'un bon feu et puis assis sur une grande bûche. Voilà, il y a tout pour être heureux ici.